Elle a un petit peu de velours dans la voix, quoi. C'est, je pense, et j'en suis sûre, la voix qui m'a le plus touchée. À défaut d'être la plus grande voix de la francophonie, je pense qu'elle a choisi d'être la plus belle. Oh oui, ça doit être la voix qui m'émeut le plus, qui me bouleverse le plus. C'est la fille qui a la voix la plus sensuelle dans les chanteuses de sa génération. C'est une âme pour moi. C'est d'abord, c'est la plus grande chanteuse que j'ai jamais vue. Elle a une voix qui nous amène à elle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter de loin. Elle rentre directement, sans passer par la case chanteuse à voix, dans la case grande chanteuse. C'est une voix exceptionnelle, c'est un lyrisme exceptionnel, une... L'état de grâce. Moi aussi je suis tombée de haut, du saut de l'ange au fond de l'eau. Mais la vie, mais qui nous sauve, qui nous relève et qui souffle les brûlures de nos fièvres, une étincelle dans le silence. Même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une baisse, une flamme qui dort un peu. S'allume sur un autre espoir. Le jour se lève, la vie avance. Avec elle, retrouvons l'éclat d'une. Ce souffle, cette chose qu'elle a qui vient, on dirait que ça part du fond du ventre. Elle est la seule à avoir ça, la puissance et la sensibilité dans la voix, quoi. Elle a un petit morceau de velours qui rend chaleureuse et chatoyante sa voix, qui est merveilleuse. La voix de Morane, c'est unique, quoi. Un peu de vent sur nos tourments, et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Tout s'allume sur un autre espoir.